va. Mais non, une licorne. Je suis trop content. Oula, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Ne dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? C'est… oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça! Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Au moins, tu as essayé. Oui. Et je suis prête pour cette soirée grecque. Il me manque juste un petit bijou. Non, ça ne le fera pas. Les étoiles? Non plus. Ok, et peut-être ce collier? Ah, non. Salut, tu es superbe! Regarde mon bijou! Waouh, il est trop beau! Moi, je n'ai que ces trucs! Rien qui ne corresponde à ma tenue! Oh, attends, je crois que je peux faire quelque chose. Ce stylo 3D va nous aider! Pour commencer, j'ai besoin de ce buste de Nefertiti. Allez, on commence comme ceci. Regarde, c'est une feuille. Et maintenant, je passe à la seconde. Ça va rendre super bien. Et voilà, j'ai fini la dernière. Tu vois, je crois que le résultat va être terrible. Merci, c'est exactement ce que je cherchais. Ah! Oh! Ma dent est enfin tombée. La petite souris va venir. J'ai hâte d'être à demain. Je ne m'y habituerai jamais. C'est dégueu. Oh non. Je vais devoir réparer ça. Cette baguette a connu des jours meilleurs. Elle est fichue. Elle se réveille. Tu as cassé ton plat favori. Utilise un stylo 3D pour le réparer. Cette partie est la plus longue, mais ça vaut le coup. Le tour est fini. Maintenant, fais des lignes en travers. On est presque à la moitié. Maintenant, fais pareil dans le sens inverse. Ça devrait ressembler à ça. Joli, hein? Elle ne remarquera rien du tout. Et voilà. Oh, j'allais oublier. C'est pour ça que je suis venue. Je sens une petite dent là-dessous. Bingo! Une dent, une pièce. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Oh non, encore! Je m'ennuie. Hé, laisse-moi jouer, c'est à mon tour. Et si tu jouais plutôt avec ça? Joue avec mon maquillage. D'accord, ça me va. Il me faut quelque chose pour le mettre sur ma figure. Voilà, je vais pouvoir me maquiller.
Oh mon Dieu, elle a ruiné mon fond de teint. Ah, je m'ennuie encore. Laisse-moi jouer. Tiens, prends ma montre. Je vais battre mon record. Ah, c'est un sacrifice nécessaire. Je dois trouver quelque chose pour la distraire. Peut-être que mon stylo 3D peut m'aider. Ouais, je sais comment. Ok, je dois faire en sorte de faire la bonne forme. Maintenant, je la remplis. Je dois faire vite avant qu'elle ne revienne. Encore un peu. Maintenant, ajoutons de l'épaisseur. Il ne me reste qu'à ajouter ces quelques lignes. Comme ça. Et je les recouvre. Ça recouvre parfaitement les pads. Et voilà, ça rentre et ça sort super bien. C'est bon, je crois que ça va marcher. Oh non, elle arrive. Cachons la manette. Désolée, je ne l'ai plus. Quoi? Mais où est-elle passée? T'es trop nulle. Pfiou, ça a marché. Elle est partie. Je n'ai plus qu'à récupérer ma manette. Il vend des glaces. J'ai la bouche si sèche. Faites que j'ai de l'argent. J'ai dit de l'argent, pas de vieilles ordures. Et ça? Ça pourrait marcher? Oh, une cliente. Salut. Bonjour. Je te plais? Juste si tu as de la monnaie. Je n'ai rien. Non? Alors je ne peux rien pour toi. Oh, très bien. Je reviendrai. Ok. Je vais inventer ma propre monnaie. Tant que j'ai mon stylo 3D, je le peux. Parfait. Ça ne prendra que quelques étapes. Ça ressemble à un cône de glace, non? Et il sera bien mieux avec une boule de glace dedans. Et n'oublions pas le coulis à la fraise. Ça me donne faim. Ça paraît génial, non? Et ceci pour passer une chaîne. C'est trop mignon. Ça sera parfait avec les boucles qui vont avec. Je suis plutôt contente de moi. Il est temps de changer de look. J'y suis presque. Ça y est. Yeah, je suis de retour. Ce collier est magnifique. Il vaut bien une petite glace, non? Ouais. Un tout petit baiser. Burke, je n'ai jamais parlé de ça. Oh, c'est tout le temps pareil. Je déteste les fourmis. Hein? Quoi? Oh, c'est mon réveil? Il est déjà l'heure de se lever. Où est mon téléphone? Allez, coupons cette alarme. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah, où est encore passé mon téléphone? Il est là, sous ma couette. Pfiou, c'est dur comme réveil. J'ai encore perdu mon téléphone. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait dans mes cheveux? Je le cherche chaque matin. Ah, comment pourrais-je faire pour qu'il reste ici? Je crois que j'ai une idée. Il est temps d'utiliser mon stylo 3D. Je vais commencer par tracer ces lignes. Et je les recouvre. Voilà, je fais un quadrillage, un peu comme une gaufre. Prenons une autre couleur. Je fais la même forme, mais en plus petit. Voilà, ça en fait une de plus. Changeons encore de couleur. Celles-ci sont encore plus petites. Maintenant, assemblons-les. Et voici le résultat. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Ça tient sur le bord du lit et mon téléphone rentre dedans. Oh, encore une autre journée. Et mon téléphone est juste là. Ah, bonne nuit. Je ne peux pas dormir avec ça. Oups, quelle empotée. Je me demande ce qu'il y a d'autre là-dessous. Oh, regardez ça. Je l'avais complètement oublié. Qu'est-ce que c'est? Barbie? Je ne t'avais pas vue depuis des années.
Ne t'inquiète pas, je vais te refaire des câlins. Trop bien! Barbie? Je suis horrible! Je dois rêver! J'espère! Hein? Ça paraissait si réel! Mais l'effrayante Barbie avait raison! Je vais tout arranger, ne t'inquiète pas! J'ai du travail! On va te refaire une robe! Tu aimes le rouge, n'est-ce pas? Il suffit de bouger le stylo d'avant en arrière. Cette longueur me semble bonne. Trop jolie! Tu ne te sens pas mieux? Même pas besoin d'aller faire du shopping. Bonne nuit! Ah, c'est trop bien! Bonne nuit, ma copine! Une nouvelle robe? Merci! J'ai oublié l'anniversaire de ma mère! Je dois avoir quelque chose ici. Je ne crois pas. Je dois bien avoir de l'argent. Bingo! C'est l'heure du shopping! Est-ce que je peux lui offrir un téléphone? Une nouvelle voiture? Une rose? Merci d'être venue! Je peux avoir quelque chose pour 2 $? Je viens de vendre mon dernier bouquet. Oh non! Il ne reste que quelques pétales. Ça me donne une idée. Ne jette pas les pétales qui sont tombés. Peins-les avec une couche de vernis transparent. Passe-les ensuite sous la lumière UV. Parfait! Tu n'as plus qu'à y enfoncer une boucle d'oreille. Cool, non? C'est trop mignon! Maman? Oh, Betty! J'ai quelque chose pour toi! Oh, tu es trop mignonne! Elles sont magnifiques et très originales! Merci! Je t'aime, ma chérie! On va changer de boutique! Bijoux! Achetez-les tant qu'il y en a! Ah! Encore une belle matinée! Je vais me préparer! Ah! On se réveille! Bonjour! Je vais me brosser les dents! Oh, je suis encore toute endormie! Oh! Ça chatouille! Ah! Mes dents brillent! Oh non! Elle ne s'en rendra peut-être pas compte! Ok, et maintenant? Le maquillage me semble parfait! Je vais mettre mes boucles d'oreilles! Il en manque une! Ne me regarde pas! Je ne l'ai pas vue! Elle ne se doute de rien! C'est bizarre! Ah, que puis-je faire? J'ai une idée! Prends un stylo 3D et dessine un triangle, comme ceci. Colle bien les lignes entre elles. Quand tu arrives à la base du triangle, change de couleur. On va faire une tranche de pastèque. Alors utilise plusieurs tons de vert. Ajoute ensuite des points noirs pour faire les pépins. Mets-en un peu partout sur la partie rouge. Ensuite, retourne-la et ajoute un clou de boucle d'oreille. Le résultat est à la fois joli et appétissant. Mais ce n'est pas tout. Utilise ton stylo pour faire de petites lignes. Fais la même chose de l'autre côté. Le but est de faire une feuille. Elle est pas mal. Retourne la feuille et colle un petit morceau de paille. Utilise ensuite des ciseaux pour la couper. Ça te permettra d'accrocher la feuille à ton oreille. Waouh! Ça rend super bien! Hein? Oh! C'est parce que je veux devenir plombier! Je le savais! Oh! Les premiers invités arrivent! Salut! Mouah, mouah. Tu es superbe! Toi aussi! Joyeux anniversaire! Oh! Une coque de téléphone! Merci, mais j'ai déjà la même! Désolée! Mais j'ai autre chose! Regarde! J'ai déjà des dents. Oui, évidemment. Il doit être quelque part. Oh! J'avais oublié que j'avais ça. Désolée. Attends, c'est un stylo 3D? Ça me donne une idée. Pose ton téléphone sur une surface plane. Et commence à dessiner directement dessus avec un stylo 3D. Fais des lignes de bas en haut.
Laisse parler ton imagination. Le but est de recouvrir tout le téléphone. Essaye de ne pas laisser de trous, sauf pour la lentille de l'appareil photo, bien sûr. Prends le temps de bien faire cette zone. Ensuite, fais les côtés du téléphone. L'idée est de faire une coque personnalisée, comme ceci. Ok, voici un autre cadeau. Waouh, j'adore! Génial, je peux? Oh, un autre invité! Salut! Joyeux anniversaire! J'ai un cadeau pour toi! Attention! Quel but! Bref, je dois finir de m'habiller. Cette ceinture est sympa. Mais elle est un peu petite. Oh non! Mes ongles! Ils sont cassés! Oh, c'est une catastrophe! Oh. Regarde-toi! Mes pauvres ongles! Loser! T'es vraiment pas sympa! Ça va, j'ai encore ça! Cela va m'être utile! Je sais! Pour te faire des ongles en urgence, commence par mettre du scotch sur tes doigts. Utilise un cure-dent pour marquer le contour. Ensuite, repasse-le avec un stylo. Retire le scotch de tes ongles, place-le sur une surface plane et termine la forme de l'ongle en créant une forme ovale. Prends un stylo 3D et remplis l'ongle. Pense juste à ne pas déborder. Ensuite, courbe légèrement le plastique à l'aide d'un crayon ou d'un objet similaire. Retire ensuite le faux ongle du scotch. Vas-y doucement pour ne pas le casser. Prends des ciseaux pour découper l'excès de plastique. Suis la ligne faite au stylo pour t'aider. Et tu n'as plus qu'à le poser. Fais pareil avec tes autres doigts et ça sera parfait. Ça te fait un nouveau look. Waouh, me voilà enfin prête. J'adore. Hein? Et attention! Mais va-t'en! Poussez-vous! Mais c'est quoi votre problème? Regardez l'heure qu'il est. Je dois faire le ménage. Eh bien, revenez plus tard. Oh, ça suffit. Fichez-moi le camp. Fuyons! Non, mais... Oh! Wow! Ce sont mes aisselles? Oh! Je dois me rafraîchir. Voilà. Elle va arriver d'une minute à l'autre. C'est le moment! Attends ici, mon petit! Elle arrive! Salut! Bonjour! Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui! Oh, mange un peu de gâteau! D'accord, alors au travail! Oh oh! Elle vient de la vallée! Quoi? Tu n'as pas vu la bague? Elle était sur ton gâteau! Oh, ça craint! Non! Ton collier! Quoi? Rien! Attends! Tu vois ce lisseur? Enveloppe-le de papier ciré et mets des perles à l'intérieur et presse! Waouh, cool! Maintenant, décolle le tout en un seul morceau et enroule la pièce obtenue autour d'un gros marqueur. Ça durcit, tu vois? Betty? Quoi? Oh! Voudrais-tu faire de moi un homme comblé en m'épousant? Oh! Oh! Quoi? Oh, ma belle toile! Tu es la plus jolie de toutes mes créations! Papy, attention! Ne la fais pas encore tomber! Ça aurait pu être un vrai désastre! Et s'il la frottait accidentellement? Oups! Regarde ma veste! Elle est pleine de peinture! Ma toile! Non! Ouf! Ce n'était qu'un cauchemar! Je n'aurais pas pu le supporter! Oh! J'ai une idée! Excuse-moi, papy! J'ai besoin de ça! Ok, j'ai de la laque, alors au travail. Je vais juste en pulvériser sur ma toile. Il faut en mettre suffisamment pour tout recouvrir. Et voilà, et maintenant que c'est sec, elle est protégée.
Regarde, la peinture reste en place. Ah, elle est à l'abri des bourdes de papy. Oh, tu as raison, ma veste est intacte. Phew, heureusement que j'y ai pensé. Mon œuvre est saine et sauve. Burke. Oh, salut. Oh, un homme. Voilà pour vous. Voyons voir ce que je peux faire. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Les cartes. Oh, cool! Bah, oh, ça va. Ok, je vais plutôt consulter ma boule de cristal. Montre-moi le véritable amour, boule de cristal. C'est ce qui est censé se passer? Oh, oh, j'ai vu quelque chose! Je vais y aller. Attendez! J'ai ce qu'il vous faut. Une amulette! Mélange du colorant alimentaire à de la résine époxy. Mélange le tout. Joli, non? Verse ensuite le liquide dans le moule de ton choix. Une fois que la résine a durci, retire-la. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Le collier est prêt. Oh, regardez! J'adore! C'est parfait! Oh! Il va m'aimer? Merci! Bonne chance! Au revoir! Encore une journée au travail. Embrasse-moi! Je t'aime! Notre rouleau de papier toilette. Tu vas compléter ma tour. Oui, mon château est presque fini. Il est majestueux. Papy, tu es là? Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne vois rien sans elles. Je suis presque aveugle. N'agite pas les bras comme ça. Non! Mon beau château! Il s'est effondré! Tout mon travail a été réduit à néant! Tiens, voici tes satanées lunettes! Dégarpille maintenant! Tu as l'air fâché! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as juste détruit mon rêve! Il a l'air si triste! Hé! Je peux peut-être faire quelque chose! Je prends un rouleau de papier toilette, je vais juste le plier pour l'aplatir. Puis, je le coupe en rondelles. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, étape suivante, pistolet à colle. Je vais juste mettre une petite pointe de colle ici. Bien, prenons un autre anneau. Celui-là fera l'affaire. Je vais coller cette extrémité à l'autre. Bien, c'est exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble. Je vais maintenant continuer à ajouter tous les anneaux. Et voilà, j'en ai fait toute une fleur. Et je continue. Je colle le suivant entre les précédents. Allons-y. Et il ne me reste plus qu'à peindre le tout. Papy, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je sais que tu aimes l'art. Quoi? Tu as fait ça avec des rouleaux de papier toilette? Oui, je vais le mettre sur le mur comme décoration. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? C'est stupéfiant! J'adore! Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci! Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu
Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou! Oui? Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus! Et maintenant, ma couleur préférée! Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple! Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant! Sans oublier le contour des ailes! L'autre côté! Et voilà! N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie! Un cœur! Trop mignon! Voyons voir qui tourne la roue! Je suis fort à la guerre des pouces! Oui! J'ai gagné! C'était serré! Pourvu que ça soit bien! Pas de papier? Mais comment je suis censée dessiner? Tu vas bien devoir trouver! Regarde ça! Je vais d'abord dessiner un trait et un autre à côté. Ensuite, quelques traits en haut et en bas. Et maintenant, pour les côtés du cœur. Le crayon permet de bien délimiter les formes quand on dessine à l'encre. Une fois le contour terminé, sers-toi d'une gomme pour effacer les lignes de construction. Ensuite, prends un feutre et suis les lignes. Ça donne un effet 3D. Et maintenant, la couleur. N'oublie pas de ne pas déborder. Ensuite, ajoute des ombres sur les côtés intérieurs. Tu peux facilement le faire avec un crayon normal. Mets un coup de crayon partout où il devrait y avoir de l'ombre. Ou aux endroits pour lesquels tu penses que la lumière devrait être un peu différente. C'est une manière qui change de dessiner un cœur, mais il est très impressionnant. Et voilà! Comment tu trouves? Waouh! Enfin, ça va! Qu'est-ce que je peux utiliser? Je sais! Mes mains! C'est trop simple! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Je sais! Un mini-cœur! Hein? Tu en dis quoi? C'est un cœur! Non! Désolée! Désolée! Bon, et là? Oh, laisse tomber! Non, je peux réussir! Allez, mes doigts! Ne me laissez pas tomber! Je crois que j'ai trouvé! Il me faut juste un feutre rouge. Mets un doigt au-dessus de l'autre et dessine un cœur. Ensuite, colorie l'intérieur à l'aide d'un feutre rouge. Pas mal! J'aime bien! J'adore même! Mais je n'ai pas terminé! Je vais ajouter un visage qui sourit et un autre. On est deux dans un couple. Trop romantique. Regarde. Mais non. Oh, c'est trop mignon. Attends, moi aussi j'ai une idée. Ne gâche pas tout. Ça va être trop beau. Voilà, ils se font un câlin. Je crois que je vais pleurer. C'est trop chou.